princesse, aujourd'hui un nouveau zoom, le 40e, et oui déjà, et quel personnage allons-nous choisir pour l'occasion? Dingo! Dingo est un chien anthropomorphe créé par Walt Disney Company en 1932. C'est un des meilleurs amis de Mickey, qui est principalement caractérisé par sa grande maladresse. Il s'appelait à l'origine Dippy Dog et apparaissait dans le court-métrage intitulé Mickey's Review, dans lequel Mickey, Minnie, Horace et Clarabelle donnaient un concert. Dippy était seulement un spectateur au comportement grossier et bruyant qui dérangeait ses voisins. Si bien qu'ils finirent par l'assommer. Il ne faisait que rire et rien d'autre. Mais son rire rauque et particulier a été assez mémorable pour être remarqué par Walt Disney. Il n'était alors qu'un vieux monsieur pourvu d'un pince-nez carré, d'une barbichette et d'une queue touffue et qui ne portait pas encore de vêtements, mais ils décidèrent de le réutiliser pour son rire caractéristique. Dippy Dog est ensuite présent dans différents courts-métrages jusqu'en 1933, mais n'a alors qu'un second rôle récurrent et ne fait pas officiellement partie de la bande à Mickey, ce qui serait dû à la présence d'un autre chien dans la bande, Pluto. Dans ses premières apparitions, Dingo ne possède pas encore toutes les caractéristiques que nous lui connaissons, comme son habileté à générer le chaos. En effet, dans The Whoopie Party, Dingo aide Mickey à préparer un repas de fête sans provoquer de catastrophe, alors que 10 ans plus tard, en 1942, dans l'anniversaire de Mickey, il détruit le gâteau, la cuisine et la fête d'une seule main. Tout ça dans l'innocence et la bonne humeur. À partir de janvier 1933, Dippy Dog est intégré aux bandes dessinées hebdomadaires de Mickey Mouse, mais n'était pas, dès le début, un ami proche de Mickey. Il était seulement un voisin encombrant. Il apparaît pour la première fois comme un proche de Mickey dans l'histoire Mickey et les Trois Valeurs, sorti le 9 octobre 1933. Il est ensuite régulièrement présent dans les histoires comme personnage secondaire. Il intègre finalement la bande à Mickey en 1934 aux côtés de Minnie, Pluto, Clarabelle et Horace. Il est ensuite officiellement nommé Goofy le 11 août 1934 dans le Gala des Orphelins, Goof signifiant niais en anglais. Et même si son nom officiel reste Dippy, tout le monde chez Disney parle de lui en l'appelant le Goof. Mickey's Service Station, un des premiers courts-métrages où on trouve le trio Mickey, Donald, Dingo, marque une étape importante pour Dingo. C'est la première fois que la bêtise de Dingo est aussi prononcée. On peut le voir essayer de réparer un moteur pour finalement se donner des coups de marteau lui-même, car sa main a traversé tout le moteur pour finalement ressortir dans son dos. Les épisodes où on retrouve le fameux trio sont tous faits sur le même modèle. Les personnages sont confrontés à une série de problèmes qu'ils essaient tous trois de résoudre à leur manière. Dingo avait alors la particularité de se trouver face à des objets inanimés qui prenaient vie et devenaient ses ennemis. Ce n'est qu'en 1938 que le nom de Dippy Dog disparaît totalement. Il devient officiellement Goofy Goof dans le premier court-métrage de la série du même nom qui est traduit par Dingo en France. La série Dingo comporte 58 épisodes sortis entre 1939 et 1965. Dingo a également eu une série éducative dans les années 1940 intitulée How To, soit Comment Faire en français. Certains épisodes de la série le changeaient en Monsieur Tout Le Monde, où il était nommé George Jif ou Gigi Jif pour les intimes, et était transformé en cadre moyen, marié et père de famille. On le voyait par exemple dans un épisode essayer d'arrêter de fumer. L'un de ces épisodes intitulé Aquamania, dans lequel Dingo emmenait son fils à la mer pour le week-end, a d'ailleurs gagné l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1962. Il a aussi été utilisé comme Donald pour la propagande de guerre. La série des Dingos s'arrête au début des années 60 et le personnage ne réapparaît en animation qu'en 1983, mais sa carrière entre-temps s'est poursuivie en bande dessinée. Entre 1965 et 1942, Dingo est le personnage principal des bandes dessinées Super Dingo, dans lequel lui et son neveu Gilbert, qui est aussi intelligent que Dingo et stupide, prennent l'apparence de super-héros en mangeant des cacahuètes, poussant dans leur jardin et ayant été frappés par un rayon cosmique. Pourquoi pas? À partir de 1969, Dingo a une fiancée nommée Gloria, une souris plus anthropomorphique que Minnie, qui apparaît régulièrement jusqu'en 1977. Puis ses apparitions deviennent plus occasionnelles jusqu'en 1995, où elle disparaît complètement à cause des incohérences avec la série télévisée La Bande à Dingo. En 1976, une nouvelle série, toujours en bande dessinée, intitulée Dingo Découvre, le met en scène à la place de personnages célèbres comme Christophe Colomb ou Beethoven, pour résumer brièvement leurs histoires. Il rejoint la série Bébé Disney en 1986 dans le journal de Mickey. En 1980, Disney s'implique pour promouvoir le sport et crée un nouveau Dingo plus sportif.
sportif et musclé, qui a pour but de promouvoir tous les sports et principalement le tennis. Dingo devient donc la mascotte officielle de l'équipe française de tennis en 1980. Il est ensuite nommé ambassadeur pour l'Allemagne de l'Ouest du German Sportlife Fund en 1981. Et en 1983, ça fait beaucoup de dates, la Fédération Internationale de Tennis crée une compétition Wimbledon International pour les enfants nommée Sport Goofy Trophy, qui a lieu au Walt Disney World Resort. Dingo fait ensuite son retour sur les écrans en 1983 dans le Noël de Mickey, où il interprète le fantôme de Jacob Marley. Le nouveau Dingo apparaît en 1990, oh, c'est ma année de naissance, lorsque Disney lance Goofy Aventure, un magazine lui étant entièrement dédié, mais il ne remporte pas le succès espéré et s'arrête au 17e numéro. Il a ensuite droit à une parade appelée World According to Goofy Parade dans le parc Disneyland California en 1992 pour célébrer ses 60 ans. Puis renoue avec le succès grâce à sa nouvelle série télévisée La Bande à Dingo, la même année dans laquelle il a un fils nommé Max et se bat avec son voisin Pat Ibuller. Deux longs métrages s'inspireront de la série Dingo et Max en 1995 et Dingo et Max 2, Les Sportifs de l'Extrême en 2000. Dingo apparaît dans plusieurs jeux vidéo, notamment Kingdom Hearts, où il dirige la garde royale du château et se bat aux côtés de Sora et Donald avec un bouclier. Il est aussi présent dans d'autres jeux vidéo comme Matterborn Screamer, où il cherche à monter en haut d'une montagne, quel bel objectif! Dingo et le Train Express, un jeu éducatif basé sur la reconnaissance des couleurs et des formes géométriques. Goof Troop, un jeu de logique dans lequel Dingo et Max sont sur une île déserte et doivent déjouer plusieurs plans de pirates en résolvant des énigmes, ou encore Dingo Extreme Skateboarding, où on joue Dingo ou Max en skate et dont le but principal est de ramasser divers objets. Walt Disney n'aimait pas Dingo, en raison de son manque de réalisme et de caractéristiques humaines. Il aurait plusieurs fois proposé d'arrêter l'utilisation du personnage et ne l'aurait finalement gardé que pour faire travailler ses animateurs. Il ne pensait vraiment pas que Dingo aurait finalement beaucoup de succès. Il ne l'aimait pas également à cause de l'incertitude du personnage, qui a eu plusieurs noms et plusieurs personnalités différentes. Ses noms français ont d'ailleurs été plus nombreux que ses noms anglais. Il est passé de Piloche à Quenotte en 1935, puis de Mouffe à Gaufre. Puis de Moule à Gaufre à Achille Nigaudeau en 1936 pour devenir Goofy, puis Dingo en 1937. Autre élément étrange, Dingo habite rarement dans la même maison, mais qui est quand même souvent dans un état déplorable, je tiens à signaler. J'espère que ce 40e Zoom vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire et on se retrouve très bientôt. Salut ! Zoom, 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 zoom.